le monde sait peindre, mais il y a beaucoup de préparation. Si on parle d'un mur, il y a du lessivage, il y a du ponçage, du rebouchage, et première couche, deuxième couche, et entre-temps, bien sûr, il y a tout ce qui est la préparation de protéger ce qui ne va pas être peint, quoi. Même sur un site où il y a des ferrailles à faire, ou même en atelier, c'est tout ce qui est préparation, quoi. Parce que si une ferraille est mal dégraissée, ça va se voir, parce que la peinture, elle va pas accrocher à cet endroit-là, quoi. Et elle risque de s'écailler plus facilement. La peinture est déjà prête. J'ai juste à la diluer en fonction des buses de pistolet que je prends et de ce que je vais faire. Donc habituellement, j'ai la même buse pour tout ce que je fais pour le métal. Et pour la peinture des meubles ou de lames de banc qu'on peut faire ou de rénovation d'autres meubles, c'est pareil, il y a une dilution qui n'est pas tout à fait la même car le pistolet ne ressort pas la peinture de la même façon parce qu'elle est plus épaisse ou moins épaisse. Bien sûr, il n'y a plus de peinture au plomb. On passe beaucoup de peinture à l'acrylique, très peu de peinture solvantée maintenant, voire plus du tout. Et en fonction des matériaux qu'on va traiter, les peintures sont en conséquence. Là, c'est des grilles de défense. On a aussi fait pas mal aussi pour le cimetière des Carmes. On a fait des portes, des gros portails. Tout ce qui est les jardins, les parcs, les grillages, les extérieurs d'école, dans les crèches, en mairie. Tout ce qui est possible d'être peint, ouais, on peut refaire du placo à la finition peinture, quoi. Il y a tout le temps du boulot, quoi. Au début, c'était assez sympa de dire ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai qu'après on en fait tellement qu'on y remarque un peu moins maintenant. Mais depuis que je suis au pistolet, c'est quand même une autre finition qui est plus belle et plus... Ça fait une autre finition qui est carrément... Enfin, qui a autre chose que pistolet, que le rouleau et le pinceau, quoi. On participe à l'embellissement du patrimoine bâti de la mairie de Clermont-Ferrand. Et si on n'était pas là, les bâtiments pourraient devenir insalubres. Et si les gens se sentent bien sur Clermont-Ferrand, c'est aussi grâce à nous. C'est pour ça que notre métier est un poste clé.